Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit match de Blood Bowl où on va affronter Poncho ce soir. Donc il n'est pas invoqué avec nous cette fois. On joue avec les Kikour et ça risque d'être assez fun. Bon bah notre porte-monnaie est trop faible, on va y aller comme ça. On va bien voir. Donc Poncho qui est un très très bon joueur reconnu en France hein. Donc c'est toujours un match joué dans la ligue de Krug, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au lien dans la description si vous le voulez. Ça lui fera plaisir. Alors, c'est parti. Donc on joue à domicile, ce qui ne change rien puisque notre terrain de toute façon n'est pas évolué, mais c'est toujours agréable. Et on va prendre l'attaque. Donc on joue contre du Skaven sans rat ogre apparemment, alors on va afficher les compétences. Ah ouais, bon par contre on a du lourd là. Coureur d'égout à 10 de mouvement, 3 de force. C'est la violence. Alors lui il a un de mouvement en moins. Par contre il a lutte et c'est quoi l'autre? Arracher le ballon, ok. Il a deux solutaires hein, donc il a dû prendre une tatane. Il a dû prendre une tatane avant. Ici on a deux têtes, donc meilleure esquive. On a lutte également. Ici on a plus 1 en force, donc la vermine de choc à 4 de force. Par contre il a pareil un de mouvement en moins, châtaigne. Ok. Bon. Donc ça va être assez difficile, hein. On est sur du Skaven, ça va très très vite et nous on va très très lentement. Donc forcément ça va piquer. Une fois de plus notre intrépidité ne va servir à rien, hein. Y a personne qui a beaucoup de force. Hein. Donc du coup on va voir comment on peut gérer ça. On va essayer de faire proquer la châtaigne le plus possible bien sûr. Si on peut. Alors on est en attaque, on va prendre un mec avec bloc. Notre hobgoblin avec bloc. Donc il s'est placé comment? Il s'est placé là. On va mettre nos châtaignes pour taper. On va foutre nos centaures sur les côtés. Hop. Est-ce que ça serait pas l'occasion? Donc on est à peu près protégé contre un blitz. On va pouvoir essayer de lui mettre un petit peu de la châtaigne sur la tronche. D'ailleurs on va changer ça. Merde. Hop. On va essayer de lui sortir le plus de joueurs vite, hein, bien sûr. J'ai un peu de mal avec mes clics. Hop là. Alors, on peut bouger d'une case. Et ben parfait, donc la balle tombe par là. Du coup on va profiter pour avancer un peu, hein. Nos nains sont tellement lents que ça fera pas de mal. Hop, c'est parti. Allez. Ah.
Ok, donc une petite sonnette pour commencer, c'est toujours ça de prix. Bah ici du coup, ça a combien de force ça? On pourrait presque avoir 3D, on va prendre 3D. Non, il me faudrait encore plus. Ouais. Bon, c'est pas grave, on y va comme ça. Ça pousse, c'est pas grave. On a un deuxième bloc, on va y aller. Et cette fois on a blocage, donc cette fois il tombe. Ce qui est parfait. Ici c'est parti, on tape aussi. Pareil, bloc. Ok, on a quelques sonnettes. On va aller mettre une zone de taxe sur la balle au cas où, parce qu'on est quand même sur du scaven en face, et on va tenter un petit ramassage. Ça passe. On va se poser ici. Non, pas une passe, merci. Ici on a quoi? On a du 3 quarts. Hein. Donc là si j'avance il va me dépioter. Hein. Grand classique. On pourrait tenter une agression mais on a que des mecs un peu au niveau. Donc on va quand même faire un petit blitz ici, ce serait con de pas le faire. Non, ça me donne rien. On va rester et on va revenir se placer là pour l'emmerder un petit peu s'il veut aller au centre. Ici on va descendre par là. Et descendre par... comment il est là? Au niveau des mouvements, parce que bon c'est du scaven mais quand même. Hein. Ouais, on va descendre par ici. Allez, faisons ça. Bon déjà, on a la balle au premier tour, c'est pas si mal. On a réussi à sonner deux mecs, c'est pareil, c'est pas ouf, mais ça fait le job. Après, il a pas mal de gens avec des forces en plus, hein, donc il aura pas trop de difficultés à essayer d'attaquer notre centaure, mais il est là pour prendre des jetons. C'est parti. Ah, ouais, il a bloc. Ah, merde, sonné. Bon, bah, voilà. La petite châtaigne qui n'a même pas besoin de servir. Hein. Ok. Ah si, la châtaigne a proqué, pardon. Il avait fait 9. Donc il va attendre que j'avance, hein, puisqu'au il a, je pense, tout à fait la mobilité pour aller à droite ou à gauche selon là où je vais aller. Donc pas de raison de se presser plus que ça. Alors... Bon, il a fait que se replacer. Il a même pas relevé son joueur. En même temps c'est un solitaire, il doit s'en foutre un peu de se le faire piétiner. Après ouais, c'est... C'est étonnant. Alors du coup, nous, ici, celui-là, il est au sol, nous on a 3 de force, où sont ces 2 de force? Ah, ils sont, c'est les mecs avec les caps là qui ont 2 de force, sauf celui qui a eu son plus 1 de force, bien sûr. Bah, c'est de ce côté-là qu'on a de la mobilité avec le centaure, donc on va plutôt essayer de partir de ce côté-là, je pense. Alors j'aimerais bien blitzer avec la châtaigne, il a pas bloc en face. Allez, on va faire ça. Parfait, ça proc. Ouais, on poursuit pas. On reste là. Et on va aller ici plutôt. Nous ici, on peut aller jusque là. C'est pas si mal. Bon, sachant qu'il peut faire quand même des assez gros tours.
On y va, hein, on est là pour marquer, hein, je stole pas, je vais dans le tas, on attaque, donc du coup c'est plutôt pas mal, je crois qu'il a des bestioles qu'on esquive, ouais, les coureurs d'égout on esquive. Les vermines de choc non, mais les vermines de choc avec avec bloc, on peut essayer de enfin, de les neutraliser un peu, on va dire. Ici, on va aller derrière au cas où il y ait besoin. On va se mettre ici pour éviter d'être contourné. Et lui, on va le mettre là. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Il a pas mal de force plus 1, donc il peut essayer d'enfoncer mes nains, mais c'est quand même des nains. Va dire qu'ils sont là pour montrer un peu qui c'est le patron, n'est-ce pas? Ils vont se prendre des blocs, hein, de toute façon, mais... Il a pas de châtaigne, enfin, à part son plus 4, là, de force, là. Ok, donc il blitz là. Il va essayer de pousser ce mec-là, ici, c'est... Ah non, ouais non, pardon, il fallait qu'il réfléchisse qu'il glisse comme ça, de face. Bon, la châtaigne ne proc pas, ça va, l'armure tient, c'est bon. Bon après, les bloqueurs nains, quand ils sont au sol, hein, ils vont plus très loin après, malheureusement, mais... Je pense que maintenant il a fait ses blocs, il va probablement essayer de se replacer en défense pour m'empêcher d'avancer. Peut-être relever quelques joueurs pour foutre la merde avec des zones de tacle. Ok, il reste très central quand même. Après, voilà, moi je peux pas. J'ai 6 de mouvement, je peux pas non plus aller super loin. Lui, avec 9 de mouvement, 10 de mouvement, il peut se permettre de se mettre là pour me laisser un peu m'enfoncer et puis derrière essayer de se faufiler dedans. Ok, il laisse une zone de tacle là, c'est très bien. Il a lutte en plus. Une petite esquive ici, très bien. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va relever ce mec. Il tente une esquive là. Ça passe. Ok, il ne le relève pas. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici foutre un peu la merde. Alors, après, ici, c'est un 3 quarts. Ici, c'est la vermine de choc. Ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à passer ce mec. Alors après, quelles sont nos possibilités? Lui, il peut aller jusqu'où? Jusque là, donc ça laisse pas non plus masse pour avancer. On va aller se mettre par ici. Dans l'optique de faire une cage dans ce coin-là, là. On va tenter un petit blitz par là, toujours avec la châtaigne. Si ça passe, tant mieux. Ça passe pas. On va poursuivre. Alors j'ai pas envie, face à un joueur comme Poncho, de me mettre sur le bord. Parce que c'est un coup à se faire assez rapidement jeter dehors, tout simplement. Alors, on va se servir de notre nain ici pour bloquer un peu le chemin en force. Avec les hobgoblins derrière. Alors, sachant qu'on voit que là, ça a toujours un mouvement assez monstrueux, ces trucs. Hein. Voilà. J'aimerais bien marquer celui-là. Ça a combien de mouvements, ça? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il pourrait me blitzer avec un GFI, donc on va se mettre par là pour fermer un peu la cage. On va se relever ici avant que j'oublie, j'avais oublié, d'autant pour moi. Et ici, on va aller un peu au contact avec celui-là. Damned. Bon, on se met en gros tas, voilà, technique de nain, hein. On avance, on voit comment ça passe. Ok, donc il commence par faire tomber Rick. Qui est là pour lancer des dés, hein, toujours pareil. Hein, je connais ma malchâteau dés, donc du coup j'essaie de faire en sorte que l'adversaire en lance à ma place, si je peux.
Alors, son 4 de force, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il blitz cela pour essayer d'aller au contact. Ouais. C'est vrai qu'il peut se permettre avec autant de force. Ah, mais là, je tombe pas, donc il va se retrouver un peu dans la merde s'il me poursuit. Il me poursuit pas, du coup. Il reste juste là. Très très bien. Donc là, on a potentialité pour l'instant d'aller se foutre derrière et d'aller marquer. J'imagine qu'il va aller mettre des mecs au milieu. Ici, il se prévoit un petit bloc peut-être. Ah, malheureusement, ça passe. Le centaure sans reproche qui va tomber. Hein, pour l'instant, il n'aura pas trop fait le taf avec sa châtaigne, malheureusement. Ok, alors du coup ici je pense que c'était mis pour me faire une zone de tac, mais il va pas vouloir prendre un bloc gratuit, va se casser je pense. Ah, faut qu'on fasse attention parce que si on marque vite, non il va vouloir me taper, ok très bien. Si on marque vite, c'est un scaven, il peut très très facilement s'infiltrer et mettre des trucs. Hein. Là il m'empêche même pas de marquer parce qu'il le sait, hein. Il le sait très bien. Il sait aussi que j'aime pas du tout stoller, donc du coup... Ah la vache, l'armure du centaure qui craque. Eh bah c'est un sonnet. Bon bah Fredsock, une fois n'est pas coutume, qu'il ne fait rien de ce match. il passe son match au sol. Très très bien. Alors, du coup... Ici... On va se poser par là. On a la garde là qu'on pourrait aller foutre un peu dans le tas, mais non, elle peut pas. Elle a le chemin bloqué malheureusement. On va faire un truc comme ça du coup. Donc là, du coup, on peut y aller. On va du coup remettre la ligne. Hein. Ici il se relève pas, il est au sol, et puis on va tenter un petit bloc sur celui-là là. Si on arrive à le sortir, ça peut être quand même plutôt intéressant. Ah non, malheureusement, ça ne sera pas possible. Bah du coup, on va aller marquer, parce que pourquoi pas. J'ai pas envie de stoller. Mais là, pour avoir un petit peu de spectacle hein, sur les matchs sur la chaîne, Zmarut le stupide qui arrive donc à mettre un petit touchdown. Donc pour l'instant, les fosses sont vides des deux côtés. Hein. Rien de ouf. Alors du coup, en défense contre ces gens, on va échanger. Alors Zmarut le subtil, ouais, il va sortir. On va garder notre Hobgoblin avec Block. Il faudrait qu'on mette le garde au milieu. On va mettre du nain. Peut-être une espèce de défense en double rideau anti-scaven, un truc du genre. Comme ça, un truc comme ça. On va foutre les centaures devant, ils ont quand même pas mal de force. Après, j'aimerais bien avoir. Les nains, on sont vraiment très lents, quoi, c'est un peu le problème. Bon, on va tenter un truc comme ça, il a pas trop de possibilités de s'infiltrer, en tout cas pas sans bâche. Ça le force à faire des esquives, ce qui est pas ouf avec du scaven, mais voilà. Hein. On a marqué très tôt, hein, je le sais, c'est exclusivement pour le spectacle. Hein. En théorie, sur un match avec des enjeux et tout, j'aurais du stall. Surtout que j'étais quand même pas trop trop menacé dans mon coin là avec tous les joueurs autour, mais c'était moins drôle. Et il l'a bien vu, hein, il a commencé à taper mes mecs isolés pour essayer de me les sortir, sans même se mettre des gens devant pour m'empêcher de marquer, donc il me laissait le point. Alors, voyons voir comment il va faire.
Ok, visiblement il va tenter une percée au centre. Ce qu'il peut complètement faire, hein. C'est vrai que dans l'absolu, s'il passe au centre et qu'il arrive à infiltrer des gens, j'aurais pas mal de. J'aurais plutôt du mal à le rattraper. Oula, qu'est-ce que c'est que cet engagement pourri là? Ok, donc ça tient pour l'instant. C'est sa châtaigne qui a tapé, qui a tenu. Les autres, normalement, ça devrait pouvoir passer. C'est du 3 quarts. Ok, il y va. Donc là, il a déjà possibilité de s'infiltrer. Hein. Tout à fait infiltré, un coureur d'égout à 4 d'AG, 19 mouvements. Donc une défense qui est peut-être pas optimale contre les Skaven, effectivement. On va voir. Ok, il va tenter un blitz là, visiblement. On va voir. Blitz au 3 quarts sur... sur Smurx. Qui ne donne rien, c'est cool. Mais il neutralise l'un de mes joueurs avec le plus de mouvement qui est au centre. Donc c'est plutôt bien joué, en plus il a la balle, hein, donc son mec peut aller jusqu'ici, faire des transmissions, il peut s'infiltrer très très vite. Il peut faire une transmission à lui et il est quasiment en position de marquer dès ce tour là. On va voir comment il décide de jouer. J'ai l'impression qu'il se tâte à s'infiltrer et à peut-être à faire une passe après ou à faire une transmission directement. Je pense qu'il doit être en train de calculer ses mouvements là. Oh, c'est cool! Il va peut-être y avoir quelques touchdowns dans ce match. Il fait carrément une passe, même pas une transmission, il se fait de l'XP tranquillement. Ah, ça foire! Il relance et cette fois ça passe. Donc là je pense qu'il va se barrer parce que je peux le rattraper. J'ai ce centaure là qui peut le rattraper, là c'est mort. Là c'est éventuellement jouable. Après il va probablement mettre des zones de tacle avec les joueurs qui lui restent. Bon après j'ai les deux hobgoblins là qui sont en position d'aller foutre un peu la merde au centre avec des GFI. On va voir comment on peut gérer ça. Voilà, il va s'infiltrer et faire une défense derrière moi. Grand classique. Alors, est-ce qu'il tente des GFI ou est-ce qu'il se contente de s'arrêter là ? Tente une petite mise de paquet par là, d'accord, intéressant. Une autre. Et l'équilibre qui proc sur la troisième. C'est bien joué. Donc là il est complètement bien, hein. Il a esquivé tout en plus, donc moi j'ai personne avec tacle. Si jamais je le blitz et que je le repousse, ça marque. Et que j'arrive pas à le faire tomber, il marque. Alors là, deux mises de paquet, sans relance, ça passe aussi, et ben. Alors nous aussi on a équilibre sur notre mec, mais il va falloir qu'on fasse quand même un sacré tour là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Si je veux par exemple venir ici, deux mises de paquet, c'est quelque chose qui est envisageable. Si je veux venir ici, ouais.
C'est moins risqué avec lui, hein, il a équilibre le centaure. Donc du coup il relance automatiquement ses mises de paquet. On n'a aucun autre bloc, il a laissé personne au contact, donc de toute façon le seul bloc qu'on peut faire c'est un blitz, et le seul blitz qui est intéressant c'est celui-là, donc on va le faire. Il faut qu'on relance, hein, pas le choix. Et ça tombe, parfait. On pousse. Bon, il reste un peu près au sol, mais déjà on peut venir mettre quelques zones de tacle pour s'en relance, hein. Donc ça va être à nous de venir foutre un peu la merde maintenant dans sa défense, enfin dans ses zones. Alors ici, ouais, faudrait que je bouge lui avant. Une mise de paquet supplémentaire, ça me plaît pas trop, donc on va se contenter d'aller par là. Voilà, donc du coup ici normalement on peut aller là. Ah non mince, on a toujours une mise de paquet. Ou alors j'aimerais bien le mettre ici, mais ça fait deux. On va y aller quand même. Après tout, hein, on a équilibre. On n'est pas si mal que ça. On va aller se poser ici avec lui, histoire de faire un peu chier. Redoute coupe, il va aller par là. Peut-être même un petit peu plus loin. Parce que pour le coup, il n'y a pas de mise de paquet. On va aller par ici. Ici on va aller essayer de l'empêcher de faire le tour. Et ici pareil. Bon, c'est pas si mal, on a réussi à le faire tomber, j'aurais bien voulu le blesser un peu parce que là il a une esquive, enfin c'est pas des jeux simples, hein, mais sur une esquive, quelques esquives, un ramassage, il peut se démerder. Donc comme il m'a dit, hein, sur du scaven, j'aurais dû mettre ma défense beaucoup plus loin pour pouvoir réagir plus facilement en cas d'infiltration. Là c'est clair que si ce blitz l'a foiré, c'était fini. Ah merde. Ça proc. Ça, sa petite châtaigne qui passe. Une sonnette, ça va. Ça va, ça va. Ça repousse. Ok, donc là il tente l'esquive pour blitzer là. Intéressant. Et du coup, j'imagine qu'il veut repousser pour enlever une zone de tacle et ramasser avec un jet plus faible. Ouais, c'est plus que du 3+, du coup ça passe, hein. Et ensuite une esquive. Ouais, là, même bien joué, c'est propre. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Du coup, il nous reste 3 tours pour essayer de... Bah, de remettre un point. C'est le coureur spécial Sarmadness. Ok, donc bah on va garder cette compo là, c'était plutôt pas mal. Alors, on va voir où ça tombe cette fois. Bon, les événements sont pas ouf, hein, de la météo. Bon, il y a eu ma surprise au début, mais à part ça. Ok, donc on va faire les premiers blocs avec bloc, justement. Hop, on avance. Ce serait cool si la châtaigne pouvait se faire autre chose que des sonnets par contre, parce qu'ils ont quand même 7 d'armure les mecs. Alors que ça fasse des sonnets sur moi avec mes 9 d'armure ça me dérange pas, mais sur du 7 d'armure ça fait un peu chier quoi, si vous voulez. Allez. Ah, une petite blessure, en plus c'est pas son solitaire, c'est plutôt cool. Une main écrasée, il l'accepte, parfait. Ok, donc ici on va y aller
comme ça, avec la châtaigne aussi. Ça ne proc pas. Bon, du coup, bah, la priorité va être de ramasser la balle. Pour l'instant, on est à peu près en sécurité, donc pas trop de stress. On va aller se mettre par ici. Parce que pourquoi pas. C'est à peu près au centre, enfin, on va voir un peu comment ça va se passer après les premiers blocs de son côté. On va se mettre là. Ici on est un petit peu faible au milieu quand même. On va ramener du nain. Hop. Alors on va refaire comme tout à l'heure, tenter un petit blitz gratuit entre guillemets au centaure. Qui comme tout à l'heure ne donne rien. Très très bien. Et puis on va essayer de se replier un peu avec équilibre, on peut se permettre. J'aurais peut-être presque ouais, dû prendre lui pour pouvoir faire un petit piétinement, mais bon. On va se dire que c'est pas si grave. Allez. Ouais, non. Là, s'il attaque ici. Ouais, non, normalement c'est bon. Ok, on va faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Il nous reste deux tours après ça, on a deux centaures qui sont quand même bien placés pour aller marquer s'il y a besoin. On a les deux hobgoblins qui sont pas non plus trop à la masse. Ah, bon, premier centaure qui tombe. Ah la vache, la châtaigne qui proc, sans reproche est blessé. C'est une commotion donc on va passer. Ah ça fait mal hein, moi je lui sors un 3 quarts bidon, lui il me sort un centaure quoi. Forcément ça picote. Ça m'étonnait aussi d'avoir réussi à avoir une blessure comme ça. Mais bon, c'est pas encore dramatique. Il pourra pas blitzer le deuxième de toute façon. On a notre châtaigne de ce côté-là pour essayer de faire un chemin éventuellement. Après... on peut essayer de se barrer de ce côté-là pour rester loin de son mec avec châtaigne. Il a 6 de mouvement, bon, c'est pas énorme pour un scaven, mais il a quand même moyen de revenir. Hein, donc, bon. Faut pas non plus. Ça me paraît quand même plus faible sur la droite pour l'instant. Il y a son force qui est au milieu, son 3 de force qui est au milieu. Les luttes et tout sont plutôt sur la gauche globalement. Donc on va essayer de partir sur la droite. On va voir ce que ça donne. Ok, alors du coup, on n'est pas en position de marquer, donc ça sert à rien de se précipiter tout de suite, non. Lui, il peut aller jusqu'où? Pas si loin, hein, il peut aller jusque là. Donc du coup, on va aller jusque là. Non, putain. On va mettre du nain ici. Ah, j'aurais peut-être dû blitzer avec lui, bon, c'est pas très grave. On va mettre du nain derrière. On va blitzer comme ça. On reste. Pas intérêt de poursuivre pour l'instant, on va se mettre là. Ici, la question c'est est-ce que je vais foutre des gens au contact. Ça me paraît pas forcément très utile. Déjà toi, tu vas aller fermer un peu de ce côté là. Oh, tu vas même aller fermer un peu devant. Sort d'avoir deux personnes, enfin plusieurs personnes en état de marquer. Toi avec ton bloc, tu vas poser tes coronets et tu vas aller par là. J'ai bien envie d'avancer cette ligne de 3. Ça donne quoi là?
Au niveau des possibilités de faire le tour, ouais, y a quand même moyen. Hein. Y a quand même moyen de faire bien le tour. Donc déjà, on va se placer là. Toi avec ta garde. Ouais, mais si je mets la garde tout seul, ça sert à rien. Il faudrait qu'il soit au moins deux. Donc on va avancer là. On va avancer là. Et lui, on va aller le foutre ici. Voilà, bon, c'est pas ouf, hein. Il y a des moyens de casser une cage, mais c'est comme toutes les cages, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que lui peut blitzer? Non, hein, c'est ça, il est trop loin. Enfin, il est à 2 GFI, il peut le faire, hein, mais c'est un risque, on va dire. On n'a pas utilisé nos relances, ça a pas... il n'y a pas eu trop besoin pour une fois, c'était... Ça change. Bon là, il y a lui qui peut marquer avec du GFI. Bah non, eux c'est mort du coup en fait. Donc il y a que lui qui peut marquer, j'avais pas fait gaffe. Donc en fait, ouais, il va probablement essayer de se débarrasser de lui et après ce sera fini. Ah putain, j'aurais dû avancer plus, j'ai pas fait gaffe. Erreur de ma part. Ah non, il essaye pas de se débarrasser du centaure, tiens. Enfin après, faut que j'arrive à faire une transmission sur un dodagé, hein. C'est sûr que c'est... C'est pas ouf. Enfin après c'est vrai que voilà, il va se mettre devant, de toute façon je ferai pas des esquives avec lui non plus. Va falloir que je fasse une transmission, que je blitz et s'il y a 2-3 personnes, ça passera pas quoi. Ouais voilà. Ouais, j'ai pas vu qu'ils étaient aussi loin en fait. C'est erreur de ma part. J'ai oublié qu'ils avaient que 6 de mouvement, ce qui est quand même pas ouf. Ouais, il va faire une défense en double rideau que je pourrais pas percer avec juste un blitz. Alors, on va réfléchir quand même à ce qui est possible de faire. S'il se met là... Il faudra que j'arrive à dégager les deux... Il va tenter des blocs ici. Ça passe. Le deuxième passe aussi, comme ça c'est fait. L'armure qui craque. Et ça va, c'est une sonnette. Le crâne épais qui sauve le cul. Il va peut-être relever lui pour que je sois pas libéré, non? Il esquive. Ah, esquive qui rate. Est-ce qu'il relance? Ah, il a relancé, mais le solitaire proc, malheureusement pour lui. D'accord, alors du coup, quelles sont nos possibilités? Ici, on a un bloc qui nécessite pas un blitz. Il faudrait qu'on arrive... à dégager les deux du chemin, donc il faudrait que je bloque comme ça, je pourrais le pousser ici, ici ou là, il faudrait que j'arrive à remplir ces deux cases là, ça me paraît tendu. Ouais non, ça me paraît un peu tendu. Bon, toi déjà tu vas te relever, tu te relèves hein, s'il te plaît. Après, quelles seraient les possibilités? Que je blitz cela, mais du coup ouais, du coup ça fait quand même pas mal d'esquives. Je peux aller ici, blitzer là, avancer, mais je me retrouve devant lui. Alors, à mon avis ça va être tendu hein. Je peux tenter des trucs, mais des esquives à la con en fait. Je peux tenter des esquives à la con pour essayer de placer des gens et tenter des push-push, mais c'est un peu merdique. Donc je pense qu'on va tout simplement essayer de mettre quelques baffes. Voilà, celui-là fallait le faire de toute façon. Alors ensuite, si je dégage celui-ci... Si je dégage celui-ci... Mettons que j'arrive à le dégager. Bon, je suis obligé de blitzer pour le faire.
Je peux toujours tenter. Ouais, non, ça fera un truc totalement aberrant. Bah, c'est pas grave, on va essayer de faire un petit peu d'XP avec Damned. Parce que, après tout, pourquoi pas. Ça marche pas, on pousse. On poursuit. Et puis, bon, on va tenter, hein, j'ai envie de dire. Petite réception à 4+. Cinq plus, 4+, 2 mises de paquet, 6+, c'est pas assez moins bien. Allez, on tente. Ah bah non, celle-là ne passe pas. On relance parce qu'on peut relancer. Ah, oh là là, c'est le bien joué. Cette action. Oh la vache. J'avoue que j'y croyais pas à celle-là. J'y croyais pas là, franchement, tous les 5 plus qui passent, c'était quand même l'action de fou de fin de mi-temps. Ok, donc du coup, replaçons notre défense. Donc on a un... Comment ça s'appelle? Un centaure en moins. Donc du coup on va mettre le centaure plutôt au milieu. Ici on va se mettre peut-être un petit peu plus en force. Ah, est-ce que ça vaut le coup? On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Comme ça. Donc là ils peuvent revenir assez facilement, on va dire. Notre centaure, on a bien vu que c'était lui qui avait sauvé l'infiltration, alors ça m'empêche de le mettre, ça m'embête de le mettre devant. Je vais le laisser derrière, et on va foutre un hobgoblin devant plutôt. Voilà, on est là pour essayer de défendre pour l'instant, pas contre-attaquer. Hein. On a 2-1, c'est exceptionnel, 2-1, je crois que j'ai jamais fait un tel score sur aucune de mes vidéos. Bon, ah si, peut-être, quand même, ok. Ok, il se prépare pour une attaque en force là, avec ses 2 plus 1 de force sur la gauche. Fini de déconner. Le coureur de la mort là, et puis le. Enfin, la vermine de choc de la mort et le coureur de la mort qui sont prêts à piétiner ventre énorme pour passer. Aucune pitié a priori en vue. Alors, bon, bah du coup, on va tirer au milieu, hein, on va s'emmerder. Les joueurs choisis aléatoirement sont sonnés, très bien. Oh la vache! Alors voilà, là on reconnaît ma chance au dé, là. 1, 2, 3, 4, 5... 6 joueurs sonnés de mon côté, 2 du sien. Voilà, ça, comme ça c'est fait. Ok, donc là il blitz, bah du coup, ventre énorme qui se retrouve un peu tout seul. Hein. Hop, et qui du coup est blessé, comme ça c'est fait. Bah on va proquer l'apothicaire. Hein. Il rejoint les remplaçants. Voilà. Parce qu'il va visiblement y avoir un point, autant qu'on ait des gens pour jouer. Ah, il rate son ramassage. Ce qui est cool, ça crame sa dernière relance sur un ramassage à 2+, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si... Ouais... Il fait une passe là... Ouais, parce que du coup, lui, il peut marquer en un tour, quoi. Donc là, il va faire une transmission... Et il rate. Il rate, parfait. Donc là, du coup... Le one turn qui ne passe pas... Et on va donc commencer la deuxième mi-temps avec un avantage en points, ce qui est plutôt cool. Bon, on a vu que cette défense n'était pas non plus ouf. Donc on va la modifier quelque peu, je pense. Plutôt un truc de ce genre. Ouais,
Ouais. Je sais pas trop, j'avoue, comment me placer face à lui, hein. Là, de toute façon, je peux pas vraiment faire une vraie défense en double rideau. Avec le centaure derrière pour essayer d'aller taper un peu sur tout ce qui pourrait éventuellement s'infiltrer. Non, non, tu restes derrière. Ouais, on va faire un truc comme ça. Avec les nains, c'est plus cohérent que ce soit les nains qui se prennent le blitz plutôt que le hobgoblin qui a rien demandé. Bon après, il peut complètement enchaîner les one turn comme ça, hein, enfin, tant qu'il a la balle. Et c'était une belle action quand même, hein. C'est vrai que c'est con ce 1 là. C'est pas de chance, c'est pas de chance. Ok. Donc il reprend sa stratégie de plutôt y aller au centre. Ce qui est logique, hein, il y a juste un hobgoblin et un centaure entre guillemets. Ces deux-là auraient peut-être pu être un petit peu plus recentrés. Ouais, mais du coup c'est là que ça aurait été faible. Il aurait pu faire un truc comme ça. Ouais, je sais pas trop. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va voir ce que ça donne. Il stade visiblement sur son placement, ce qui est plutôt bon signe, hein, ça veut dire qu'il n'est pas, il est pas serein. Qu'ils mettent pas ces solitaires en soutien plutôt, ou alors ils comptent peut-être pas taper, je sais pas. Toujours une météo en clémente, ok, très bien. L'engagement est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, on n'est pas placé pour une contre-attaque de toute façon avec des nains, hein. On va pas se précipiter à y chercher. Il n'y a pas de souci, donc il va faire un trou au centre direct. Avec son 4 de force, ça passe. Ouais. Châtaigne sur du 7 plus, ça passe. L'armure tient. Alors ici, est-ce que ça va tenir? Il me repousse bien au milieu. Bon, 10 d'armure, il y a quand même moyen. Les autres, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Ouais, voilà, il sert de ce solitaire comme soutien, ça me semblait bizarre. Par contre, ça m'étonne qu'il l'ait mis là, lui. Il va pas pouvoir taper au milieu. Enfin, il va devoir taper avec un solitaire, quoi. C'est... Pourquoi pas? C'est vrai que quelque part il avait pas d'autres trois quarts en même temps, donc. Ok, il va ramasser avec celui-là. Il sécurise pas la balle, hein. Il n'a pas besoin, puisque de toute façon il sait très bien que je peux pas aller chercher. Donc même s'il se loupe, c'est pas la mort. Ok, il voulait juste faire. Ah oui, il a 5 d'XP, donc il veut faire un petit niveau. Pas de soucis. Ah non, il avait 3 d'XP celui-là. C'est celui-là qui a 6? Non, il a 25. Je sais plus lequel j'avais. J'en avais un de sélectionné qui avait 5. Oh, tant pis. Ah, il a retenté une passe et sa foire. Hein, d'accord, ok. Bon bah, il se fait des je ne sais quoi là. Il tape avec le 3 quarts solitaire et lui proc. Ah, Bibou est KO malheureusement. Notre garde en plus. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. C'est la vie. Ok, bon, on a la potentialité de blitzer son star player, ce qui est cool. Enfin, il en reste encore deux joueurs à bouger, hein. Je vais pas trop m'avancer non plus, puis faut pas qu'on mette notre défense trop à poil quand même. Je pense qu'il s'est placé là pour pouvoir taper sur Eustache au prochain tour, donc bah, on va les relever, hein. Ils vont se prendre des tartes, mais en même temps ils sont un peu là pour ça. Alors, du coup, il nous faudrait
un petit renfort ici pour pouvoir lui taper dessus. Alors dans l'idéal j'aimerais bien blitzer avec lui mais il est un peu loin je pense. Ouais, il y aura du GFI, ce serait un peu con. Donc on va y aller comme ça. Avec un peu de bol ça passe. Et ben non, ça ne passe pas malheureusement. Ça valait presque le coup d'être relancé hein, mais je préfère garder un peu de relance pour d'éventuels trucs un peu plus difficiles. Alors, est-ce que ça vaut le coup de bouger le reste de la défense? Je peux pas l'envelopper, hein. Il est beaucoup trop loin. Enfin, quoique... Si, je peux presque aller l'envelopper un peu. On va essayer, pourquoi pas. Alors, on va être faible ici, bien entendu. Donc, on va, du coup... rapporter un petit peu de renfort au centre pour pouvoir éventuellement gérer une infiltration de ce côté là. Non, ça c'est complètement con ce que je viens de faire, pardon. Ça laisse des passages sans aucune zone de tac, c'est encore plus débile. On va quand même essayer de lui faire faire quelques jets, ça me paraît un peu plus intelligent. On met un peu de pression en allant par là, mais c'est sans vraiment de conviction. Hein. Ah, il tape même pas avec son... Ah, il veut taper là-dessus avec la châtaigne, je pense. Ouais. Celui qui a pas 10 d'armure. Non, même pas. Il tape même pas avec celui qui a pas 10 d'armure. Bon, ça passe quand même. Ah là là, la blessure. Putain, les 9 d'armure, c'est la douleur, hein. Franchement. Les 9 d'armure, une fois de plus, hein, ça fait pas tout. Alors qu'à côté, le 7 d'armure qui se prend des châtaignes, rien à foutre. Il a aucun problème. Ok, donc il choisit de s'infiltrer par là. C'est logique. Il peut aller aussi loin avec son mec, quand même. Ah, peut-être. Peut-être avec celui-là. Ouais, mais celui-là, de toute façon, il peut aller partout, il peut aller où il veut, quoi. C'est tellement la violence. Et là, qu'il l'a appelé à Idoji Yumad spécialement pour se remettre Ness, et en plus, il a réussi à faire des jets de malade dessus, quoi. C'est ouf. Ok, donc on a éventuellement la possibilité d'aller poser des tacles contre la balle, on va voir. Ah, peut-être pas finalement. Alors, il va blinder un peu. Pour l'instant, ouais, il y a encore deux joueurs, j'imagine qu'il va blinder à l'arrière, parce que pour l'instant si on tape celui-là, ça peut permettre des trucs. Ouais, voilà, ça devrait... Il va protéger l'arrière, faire un genre de diamant avec ses trois quarts, ça paraît déjà un peu plus logique. Donc nous, ok, il s'infiltre par là. Est-ce qu'il y a 3 plus, qu'il y a 2 plus, ça passe, bien joué. Là il va vraiment faire chier par contre avec celui-là. Ok, très bien. Bon bah on va relever les mecs qui sont au sol hein. Parce qu'après tout ils sont là pour être debout. Alors quelles sont nos possibilités? On pourrait venir par ici sur de la mise de paquet, c'est pas si mal. On pourrait ramener je pense lui pour faire un peu de renfort. Ouais, on va commencer par ça. On va commencer par une mise de paquet là. Tant pis, on y va. Ça passe. Ici, on aurait possibilité de blitzer. Alors, genre, on pourrait faire un truc comme ça. Non, c'est de la merde. Ouais, le problème, c'est qu'il y a lui aussi à gérer. Là, après, il blitz et puis il peut courir au touchdown. Hein. Bon, réfléchissons un peu. Il n'y a pas vraiment moyen que j'arrive à blitzer un truc et à m'infiltrer. Après, je pourrais tenter le mur de cadavre. Hein.
Mais c'est quand même un peu tendax. Je pense pas que je puisse mettre un tacle au contact de la balle. En passant par derrière éventuellement. Mais pareil, il y a de la zone de tacle partout. Je peux pas passer. Ouais, non, j'ai pas trop le choix. Va falloir que. Que je fasse un truc dans ce genre là. Bon, en fait, il aurait fallu que je le mette là. On va retenter. Hop là, parce qu'on est. On est là pour faire du beau jeu. On va faire ça. Lui, on va l'amener là. Lui, on va le ramener ici parce que ça va compléter un peu la zone de tacle. Alors, toi, tu vas aller te foutre. J'ai rien qu'il aille ici, mais pour l'instant, il doit faire une esquive. Donc, pour l'instant, on va blitzer par là. Pour faire un peu de place. Il a pas blocage, hein, on comprend. Ah, il a lutte, j'avais pas fait gaffe. Autant pour moi. Et donc, ici, on va se mettre là. Donc, on est une fois de plus faible là, hein, mais il n'y avait pas trop le choix, malheureusement. Il va mettre du renfort. Il va blitzer avec son 3 de force, je pense. Annuler le soutien là. Donc tout repose sur redoute coupe. S'il ne tombe pas, ça peut le faire. Voilà le petit blitz de l'amour. Ah bah il tombe malheureusement. Aïe aïe aïe, le petit chaos. Le petit chaos qui va bien. Alors maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Parce que il peut, voilà, il peut prendre des blocs un peu. Ok, ça résiste. Eustache qui résiste. Ah, il va prendre son point. Il a tenté un bloc, il a vu que ça se passait pas très bien, il a pas été plus loin. Alors, les KO reviennent tous les deux, c'est cool. Donc de son côté, toujours qu'une blessure, hein. Donc pour l'instant, on n'est pas ouf en termes de. En termes de personnel, dirons-nous. Ouais, d'ailleurs il fait une défense un petit peu plus agressive. Il voit bien que c'est un petit peu moins et un petit peu moins de monde en face. Alors, ces solitaires sont toujours sur les extrémités. Ok, c'est parti. Toc toc toc. Ah, c'était pas prévu le retour des KO. Voilà. Pef pef pef. On va mettre lui juste en soutien. Ici, on va. Est-ce qu'on abandonnerait pas ce côté? Je pense qu'on va essayer de partir sur la droite avec notre centaure en renfort. Non, putain. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens. Ici, voilà, c'est mieux. On va mettre un petit nain en plus par là. On va mettre plutôt lui à l'arrière. Voilà. Et puis on garde Smarut le stupide. Allez, on va mettre Ventre énorme derrière pour qu'il essaie de gagner un peu d'XP. Merde, j'ai trop de joueurs là. Ah oui, j'ai beaucoup trop de joueurs là, bien sûr, j'ai trop de joueurs là. Bah écoute, du coup, tu vas aller. On va en foutre deux à l'arrière pour pouvoir récupérer la... être sûr de récupérer la balle rapidement. Voilà. C'est parti. Oula, ça part à l'ouest.
On gagne une relance chacun, pas mal. Ah non, c'est plutôt bien placé. Alors, c'est parti pour les blocs. La petite châtaigne, allez petite châtaigne, on te regarde tous. Tu peux le faire. Ah non, à chaque fois elle proc, mais c'est une sonnette quoi. C'est quand même triste. Allez, c'est parti pour celui-ci. Ah, une petite blessure quand même. Bon, c'est un solitaire, c'est parfait, comme ça il le perd pas plus que ça. Et celui-là, il tombe aussi, nickel. Mais ça ne proc pas, très très bien. Ok, donc ça, et c'est fait. Alors par contre, ici, il a quand même moyen d'aller éventuellement chercher la balle. Donc on a une défense pas trop mal de ce côté-là, ici c'est un peu faible, donc on va protéger. Pas mal. On avance. On va faire une passe éclair ici parce qu'on est des fous. Parce que c'est drôle. Hop là. Ici, on blitz la tronche de ce monsieur. Ça ne passe pas. C'est pas grave. On se replie d'une case. On prépare une petite cajoune qui va bien. Hop là. Ouais, par ici. Alors toi, tu peux aller au contact, c'est peut-être une idée de merde. Tu vas plutôt te rapprocher un peu de la mêlée dans ce genre là. Et toi tu vas te rapprocher de la mêlée dans ce genre là pour vraiment essayer d'éviter que ça contourne. Et puis on va s'arrêter comme ça, parce que pourquoi pas. On y va, on joue agressif. Voilà pour gagner, pour faire un peu le spectacle. Sachant qu'il va blinder devant, hein. Pas trop de doute là-dessus. Ah, il veut tenter ouais, c'est vrai qu'en même temps avec le deux têtes Ah, est-ce qu'il relance? Ah, bah t'aurais pas dû. Le 2 des rouges qui fait mal. Petite sonnette. Et c'est le turnover. Très très bien. Ça c'est plutôt cool. Donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller foutre un mec dans les pattes des coureurs d'égout avec tacle, histoire de les faire un peu chier. On va ramener un peu du monde devant. Là je crois que je viens de me bloquer le chemin comme un gros cake. C'est pas grave. Là on peut complètement y aller à 2D sans renfort, hein. Donc pour l'instant pas de stress. D'ailleurs on va le faire tout de suite, même si c'est avec bloc. Hop, on y va, on poursuit. Ici nous faut, il y a combien, il y a 4 de force là, putain c'est tellement violent. Du coup là on est à 2D rouge, si je ramène un renfort on sera à 2D. Je pourrais le blitzer avec ma châtaigne en plus, donc on peut tenter un truc comme ça. Parce que lui je l'ai écarté, on peut ramener un renfort là et du coup blitzer à 2D comme ça. Ah, ça passe pas. On va le rapprocher de la sortie, le petit monsieur. Alors si on met quelqu'un là, on peut complètement le sortir. Hein. Donc on va préparer peut-être un truc comme ça. Bon, par contre, on est complètement bloqué. Ouais, je peux pas mettre quelqu'un là, faut faire tout le tour. C'est un peu triste. C'est pas grave, on va... On va protéger la balle quand même, histoire de ne pas faire totalement n'importe quoi. Ici on va aller mettre une petite zone de tacle dans le tas, parce que ça fait toujours plaisir.
On pourrait complètement agresser ce mec. Ce serait à 7 plus. Alors du coup, ce serait rentable d'essayer de repousser celui-là. C'est presque dommage, hein, franchement. Pas pouvoir mettre une zone là, c'est j'ai pas vu venir en fait. J'aurais peut-être pu tenter un peu truc un peu plus sympa. C'est pas grave. On va tenter l'agression. On n'a pas fait d'agression jusqu'ici, alors qu'on a des hobgoblins qui sont quand même plutôt là pour ça. Allez, mets lui un petit coup de pied bien placé. Non, ça ne donnera rien. Donc on va quand même tenter ce bloc. Pas de miracle, parce qu'il a quand même 4 de force et la possibilité de faire des trucs, hein. Il suffit d'amener un peu de renfort et ça peut venir assez vite. Alors, s'il me tape là, il peut me repousser ici. Donc si je mets quelqu'un ici, il est obligé de push. Bon, il ne pushera pas la balle, je pense pas. Donc on va se contenter de venir ici. On va même plutôt se mettre là. Histoire de vraiment éviter que ça contourne trop. Ouais, ça devrait le faire. Allez, on n'est pas si mal. Bon, son turnover nous a bien aidé, hein, on va pas se le cacher. Et après, hein, tu blitz à deux dés rouges, tu cherches. Ok, donc là il me fait tomber, une fois n'est pas coutume. On est sur du coureur d'égout qui fait des pots, hein. Il essaie même pas les esquives, il fait des pots quoi. Tranquille. Alors, il va essayer de faire tomber là. Apparemment. À un dé, bah ça passe. Bah oui, pas s'emmerder. Hein. Bon, un dé bloc, hein, il était à peu près serein quand même. Il va probablement essayer de m'enfermer. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire? S'il me push. Ouais, ça repousse. Qu'est-ce qu'il va faire? Pousser là, ok. Là, il veut essayer de prendre un bloc pour libérer son mec, peut-être. On va voir. C'est un peu le merdier. On est en force, mais on est quand même bien enfermé sur le côté, hein, donc. Je pense qu'on réussira pas tous les jours des trucs avec 6 à la suite là. Ah ouais, petite esquive. Esquive, esquive pas. Ah, il veut essayer de sortir lui. Bah non, il a personne sur le côté. Donc je sais pas trop ce qu'il prévoit de faire, on va voir. Ah si, il est obligé d'aller par là, bah oui si, je suis con. Il va soit là, soit là, soit là, et du coup il est obligé d'aller par là en fait. Ouais, bien joué. Lui il a réussi à me pousser dehors. Lui il a réussi. Ok, du coup il s'arrête là. Alors, du coup, on a une possibilité de se faire une ouverture par là si on blitz avec notre machin là, ce qu'on va du coup faire. Ça passe. Hop. On poursuit. Ok, donc là on a une petite ouverture. Alors après, par contre, on serait tout seul hein, si on va par là. On va peut-être relever les gens avant. Genre comme ça. Peut-être prendre les blocs. Alors, je préférerais l'éloigner si possible, donc on va essayer de le faire tomber comme ça. Ah putain. Voilà, on va rester avec celui-là. Et du coup, ça nous libère lui. Donc, qui pourrait venir mettre un peu de force, non. Qui pourrait venir mettre un peu la merde là, non. Qui pourrait venir faire chier ici. Bon, il va venir faire chier ici, tout simplement. Donc là on pourrait avancer avec une esquive, ça veut dire qu'il faut qu'on avance avec nos hobgoblins quoi. C'est-à-dire qu'on va foutre lui là. Je
Je me tâte. Il y a lui qui va probablement tenter un nouveau blitz au prochain tour. Donc on va se mettre. On va peut-être pas se précipiter. Hein. On n'est pas non plus ultra pressé. Là son mec est de nouveau bloqué. On a personne sur la ligne, donc on n'est pas non plus en mal. On va placer là pour empêcher lui de faire de la merde. On va les mettre un petit peu de renfort devant. Ici on a moins de dés, ouais, ça me paraît pas très intéressant. Si je viens foutisse quelqu'un ici, c'est sûr que ça va partir en sucette. Donc ici on va se contenter d'empêcher de passer par derrière. Et on va s'arrêter là. Il y a sûrement des choses que je ne vois pas, hein, mais bon, pour l'instant j'ai pas d'autres idées miracles. Là s'il veut me faire tomber celui-là, il va être obligé de blitzer. Parce que avec deux de force sur un coureur d'égout, il fera pas de miracle. Petit double crâne qui va bien aussi. Ouh, les 4 crânes, ça c'est toujours très violent. Ouais, ça pique toujours un peu par contre. Ok, donc là bah du coup ça nous débloque des possibilités. Hein. On peut déjà essayer de faire tomber celui-là. On pourrait complètement agresser son star player. Bon, on est tour 14. On peut essayer de faire tomber lui également à 3D. Ça me paraît le plus serein. Allez, c'est parti. Eh bien non, malheureusement, ça ne proque pas. Et du coup, on a possibilité de faire des trucs. Non, c'est pas du tout lui qu'il faut que j'amène en renfort, c'est celui-là qu'il faut que j'amène en renfort. Allez, on va taper sur lui. Ok, donc du coup, on n'a pas possibilité tout de suite d'aller marquer. Donc on va se contenter de... Bah du coup de ne pas les marquer tout de suite. Hein. On n'a pas le blitzé encore, si je ne m'abuse. On pourrait blitzer celui-là et le sortir. Est-ce que c'est bien intéressant? Ah, un seul dé en plus. Seul dé plus de mise de paquet, ça me paraît pas vraiment rentable, moi, je trouve en tout cas. À la limite, il faudrait plutôt blitzer celui-là pour faire de la place. Ce qu'on va donc faire. On va le repousser sur notre pote en bas et on va rester. Du coup on avance un peu. Lui il peut aller jusque là. Ok, donc on va faire ça. Ces joueurs sont plutôt bien marqués. Et on va aller mettre un petit peu de force en plus sur son... Non, on va même le mettre là d'ailleurs. Sur son mec. Hop là. Alors j'avoue que j'ai quand même plutôt de la chance sur les jets de dés de ce match. Hein, pour une fois. Poncho est réputé pour avoir énormément de chance dans ses jets. J'ai l'impression que pour le coup, ma malchance a tendance à dépeindre un peu sur lui. Après c'est pas gagné, hein. il reste encore deux tours. Mais on est quand même plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Là il repousse. Il va libérer lui, c'est bien joué. Quand même un 3 de force, il peut faire des trucs avec ses esquives. Hein. Ok, il se relève. En train de voir si c'est pas plus rentable de ce côté-là peut-être. Voilà, de toute façon, il peut assez difficilement défendre hein, parce que je peux partir un peu partout, il me reste quand même deux tours. Donc je pense qu'il va essayer de blitzer le porteur.
en jouant sur sur l'agilité des Skaven. Ah voilà, il va annuler ce support là. Ce support là est annulé, là il y a une gare donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de l'annuler, j'entends. Ok, donc il va essayer de blitzer avec lui. Esquive, esquive. Des rouges. Il reste une relance. Ah, il me reste encore 3 relances. Hein. J'en ai utilisé une seule de toute la mi-temps. C'est quand même assez rare pour être noté. Ah, il tente. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a pas garde. Donc s'il s'infiltre là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, s'il tente le blitz comme ça. Esquive à 4+, une seule esquive. Ah, ça passe pas. Ah, il a vraiment pas de bol sur ses jets, hein, faut bien l'avouer. Faut bien avouer, faut bien avouer. Ouais, bon, on va y aller. Il peut marquer en un tour, hein, on l'a vu. Donc c'est pas gagné le match, mais on est quand même pas si mal quoi. Ok, donc du coup il faut qu'on essaye d'empêcher un one turn. On a quand même beaucoup de force qu'au vestiaire. Mais bon, on va faire avec. Donc ici, on protège un peu. Bon, bah là, on peut pas vraiment faire de miracle. Hein. De toute façon, si je me mets d'un côté, il va aller de l'autre. Hein. Il n'y a pas vraiment de débat. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Faudrait que je mette celui qui est tout seul. À la limite, faudrait que ce soit celui qui a bloc. Après, il peut blitzer là, il a un trou. S'il blitz là, il a un trou. S'il blitz là, il a un trou. S'il blitz là, il a un trou là aussi, mais c'est plus costaud. Mais bon, après, on va être obligé de défendre avec de blue. Alors, non, on peut éventuellement faire des trucs comme ça en fait. Mettre plutôt la zone de tacle à l'arrière pour lui compliquer le passage. Et mettre les hobgoblins. Les hobgoblins devant. Alors les hobgoblins qui ont pas trop d'XP tant qu'à faire. Voilà, c'est ceux qui ont moins d'XP. Et du coup on garde les zones de tacle à l'arrière. Ce qui permet d'avoir quand même un blitz faisable mais plus compliqué. Mais par contre, avoir des mecs en profondeur ça ne sert à rien. Puisque on va pas le poursuivre. Donc on va plutôt y aller comme ça. Bon, allez, on va tester comme ça, on verra bien. Allez, comme il dit, hein, s'il a pas de nouveau un double 1, il peut complètement retenter un one turn et mettre un 3-3. Il reste une relance en plus, donc c'est parfait. Donc il va même pas essayer de bâcher. Enfin, peut-être un peu, mais bon, je pense que non, il va même pas essayer de bâcher, je pense. Il va garder toutes ses relances, tous ses jets pour essayer le one turn. Donc j'ai mis le mec ici avec châtaigne, enfin châtaigne va pas servir mais surtout avec bloc. Donc il va devoir blitzer. Il a 4 de force donc il peut, hein. Il va blitzer ici. Donc on va essayer de mettre la balle assez loin si on peut, même s'il a un peu protégé de toute façon. Ah, il gagne une relance, bon, pas hyper utile pour le coup. Alors du coup, comment il va jouer ça? Il commence par le blitz, très bien. On blitz à 2D, ça passe. De toute façon, il suffisait de repousser, hein, ça suffisait. Bon après, il aurait pu faire 4 crânes, mais ça aurait été quand même triste.
Là-dessus, j'aurais peut-être pu me mettre derrière, mais il aurait blitzé ailleurs de toute façon. Si je m'étais mis derrière, il aurait blitzé à un autre endroit. Ok, le ramassage passe. Il peut aller jusqu'où? Il tente une passe du coup. Plus de paquets. 2 plus 2 plus. Cette fois la passe qui marche. Donc il va courir maintenant. Tout va jouer sur les mises de paquets avec relance. Attention, il y a équilibre, je pense que ça va le faire. Hein. Même pas besoin de relancer. GG. Et c'est le 3-3. Franchement, très beau match. Hein. 6 touchdowns dans le match, ça doit être un des matchs que j'ai vu, enfin que j'ai fait où il y a le plus de points. En plus, on a quelques petits niveaux. C'est parfait. On va avoir un tour de bâche. Donc il va mettre que ses mecs à taper devant et foutre tout le monde au fond, je pense. Est-ce qu'on a des gens qui pourraient gagner de l'XP en mettant des KO? 7 sur 16, 0 sur 6, ouais, non, globalement pas trop. Peut-être lui. Ouais. Fred Sock, un XP de plus, il arriverait à passer quand même. Hein. Donc on va essayer peut-être. Ah, il me laisse un blitz quand même. Hein. Ok, bah écoute, je vais le prendre. Hein. Y a pas de problème. J'ai envie de dire, aucun problème avec ça. On va quand même. On va voir, il y a combien là? 3 de force. Il est tout seul donc je peux lui mettre éventuellement 4D. Hein. Enfin 4D, 3D pardon. On va laisser quelqu'un derrière au cas où il y ait un blitz ou une connerie du genre, même si bon là, même avec un blitz, il faudrait y aller pour passer. Il peut refaire son placement. Oh, fait chier. Enfin, fait chier. Il va peut-être pas changer grand-chose, hein, mais. Ouais, non, là voilà. Là, il s'est rendu compte que c'était un tour de badge et il dégage ses mecs. Ouais, ça me paraît un peu plus logique déjà. Il va essayer de mettre ses gars là où il n'y a pas de bloc. Bon. Ok, alors du coup, on va essayer de faire tomber celui-là. Bah on va poursuivre, hein. Du coup. Donc ici on aurait 3D, ici on va essayer de mettre une petite tatane. Ça passe. On va par là. Le blitz, même lui, est-ce qu'il pourrait blitzer? Non, il pourrait pas blitzer. Donc pas de stress. On va taper. Ah, ça repousse. Donc lui, il va se faire blitzer déjà. On poursuit. Hop, on va blitzer du coup celui-là avec la châtaigne. Ça passe. Un KO. Bon bah pas d'XP malheureusement. Et donc ici, à 3D, c'est parti. Ça tombe. Et ça ne donne rien. Et on pourrait piétiner le solitaire si on voulait, mais bon, c'est pas ouf, hein. Allez, on s'arrête là du coup. Petit 3-3, égalité. Vraiment un match sympa qui a été joué assez vite en plus, donc c'est cool. On va jeter peut-être un petit coup d'œil au stade, voir qui est le MVP. On a fait un 3, bon bah c'est pas ouf, mais on a, je pense, assez pour acheter quelques trucs. Ah bah c'est notre nain qui a rien fait, enfin qui avait 0 d'XP qui est MVP, donc pourquoi pas. Et lui c'est 30 sur 31 là, ses courants d'égout c'est quand même assez monstrueux. Au niveau des jets de dés, je pense que pour une fois, on n'est pas si mal. Ah, on a quand même fait beaucoup de repousses, assez monstrueux. Ouais, non, en fait on n'a pas eu tant de chance que ça, hein. On a fait plus de crânes que là, on a fait énormément de repousses, mais on les a juste eu au bon moment en fait pour une fois. Ça change un peu, ça change un peu. Et ça c'est cool.
5 d'XP, 3 d'XP, 6 d'XP ici, 2, 5, 6, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'était un beau match, c'était agréable. On va aller voir les niveaux, parce que je pense qu'on a quelques niveaux. Alors, comment ça se passe? Donc déjà, on a un nain qui rate le prochain match. On accuse Marut le stupide qui a gagné un niveau au final, donc on va le faire du coup. Bon bah 8 hein, classique. Alors qu'est-ce qu'on a? Blocage, arracher le ballon, frénésie non, tacle non. Anticipation, on pourrait en faire notre porteur. Ça permet de bouger pour rattraper la balle. Ouais, allez, on va prendre anticipation, parce que pourquoi pas, ça nous fera un mec un peu dédié au ramassage, entre guillemets. Et du coup, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.